gouvernement souminois bientôt 100 jours rappelle la prospérité pour les tabloïds. L'air est à l'évaluation de membres de cette équipe qui doit déjà se préparer à rendre compte de 3 mois de sa gestion de la chose publique. C'est dans cette optique publique que, dans cette optique, ajoutent les journaux, que le président de la République envisage un renoué ménage de cette équipe sous minois. Évaluation des performances des membres de l'exécutif national. Judith Suminou avait écarté les canards boiteux du gouvernement, révèle de son côté vraie thématique. La première ministre, indique le journal, a rappeler à ses collaborateurs de préparer sérieusement pour répondre aux attentes de cette exigence de redevabilité. Cette évaluation vise à assurer que chaque ministre est en phase avec les objectifs fixés par le gouvernement, tout en veillant à ce que les actions entreprises soient en adéquation avec les besoins et attentes de la population. Selon la chef du gouvernement, renchérit Info 27, cette évaluation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir une gestion publique axée sur la performance. Poursuivons cette revue de presse avec E-Journal qui s'intéresse à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. D'après le journal, Lorenzo s'est heurté à une impasse pour les retraits des troupes rwandaises de la RDC. Agression rwandaise contre la RDC. Londres réitère son soutien pour la réussite du processus de Luanda, affiche à la une la référence plus. C'est ce qu'a fait savoir hier lundi à Kinshasa un émissaire du Royaume-Uni, à Félix Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan économique, Moukoko Samba reçoit les soutien des gros importateurs après les mesures prises par le gouvernement contre la vie chère. Selon Forum des As, le VPM en charge de l'économie nationale a réuni hier lundi autour de lui les gros importateurs. Cette rencontre survient une semaine après l'annonce des mesures prises par le gouvernement contre la vie chère. Et pour terminer, les frais judiciaires désormais bancarisés selon Ouragan. Les gardes des Sceaux a lancé hier lundi à Kinshasa l'opération de la bancarisation de recettes des services judiciaires. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine de débats et analyses. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux nos intervenants, les habitués de la grande tribune, avec deux thématiques que nous avons sur ces plateaux. Docteur Kankondé, cadre de l'Union Sacrée, bienvenue cher docteur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut toujours terminer la présentation. Je suis le pari cocher, le chef de l'État, le seul et unique. Très bien. Merci de nous permettre d'assister à cette grande émission avec de grands intervenants. Vous aurez le plaisir de le présenter, mais permettez-moi quand même de saluer tous ceux qui nous suivent dans la fonction publique, tous ceux qui sont dans le Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour constitutionnelle, et une petite pensée pour le pasteur Adam Kavasele de Belgique qui se retrouve ici chez nous. Et je pense qu'il aura aussi le temps de vous imposer la main pour vous donner la bénédiction du Saint-Père. Amen. Merci beaucoup. Alors, Marius Moubalama, il est encore l'honneur d'être avec nous, cher Marius. Bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à mes chers co-débatteurs sur ce plateau avec qui nous allons avoir un moment républicain, que j'espère. Bonjour à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à ce net moment sur Congo Base, une grande chaîne qui ne cesse de faire ses preuves de par le professionnalisme que nous sommes en train de voir ici. Permettez-moi en passant à saluer le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, l'homme qui est en train de faire ses preuves sur le plan international et qui s'avère aujourd'hui comme un atout diplomatique que la RDC a intérêt, n'est-ce pas, à utiliser
pour tenter de dénouer la situation sécuritaire que nous avons au pays. Merci beaucoup. Alors, M. Paul, les plis réclamés de la grande tribune, il nous fait quand même l'honneur d'être là. Bienvenue. Merci, mon frère, pour cette invitation. J'essaie de mettre au débatteur. Mais je voudrais quand même y dire une chose, mon frère. J'ai vu le samedi des camions ben au niveau de la première illimitée, de l'hôtel de ville qui voulait assainir la ville, semble-t-il. Mais avec des effigies de Félix Tshisekedi et tout ça. Moi, je pense que... Pourquoi tout ça? C'est une communication. Non, non, quand même. Et puis, on a écrit... Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Opération coup de poing. Mais l'hôtel de ville a pour mission régalienne l'assainissement de la ville. Lorsqu'on parle d'une opération, c'est de se délimiter dans l'état, dans l'espace. Est-ce qu'il fallait mettre des effigies du chef de l'État? Pourquoi? Ce sont des véhicules achetés par les contribuables congolais des Kinois qui l'ont acheté pour, ça, pour la propriété de la ville. Qu'est-ce que le chef d'État a à voir avec tout ça pour mettre des effigies pareilles? Je me demande, dans ces blocs de vieux chefs, on perd la tête ou quoi? Ça dit que c'est seulement qu'on peut vivre de tels spectacles. Moi j'ai été ravi de voir dernièrement Djuma Ifai, le président du Sénat qui a 44 ans. Il arrive dans un bureau officiel, il voit son effigie, il dit « Enlève cette effigie. Moi, je ne suis pas indien, pourquoi vous mettez ça? Mettez des effigies de vos enfants, lorsque vous voulez prendre des décisions, vous allez voir vos enfants, comme ça vous allez voir comment prendre une décision. Désolé, puis mettre des effigies au bureau, mais des effigies, je n'en ai pas besoin. Les gens n'en ont pas besoin. Voilà des révolutionnaires. Mais quand on voit aujourd'hui, avec ces gens qui ont fait 32 ans au pouvoir, même des petites choses comme ça, il faut brandir des effigies, des Tshisekedi, moi je trouve que c'est vraiment, c'est honteux. C'est honteux, dans des camions ben comme ça, qui doit enlever des ordures, il faut mettre des affiches de M. Tshisekedi. Et c'est lui qui a acheté ces véhicules-là. Même si c'est lui qui pouvait acheter. C'est dans sa approche que l'argent est venu au bien, c'est de l'argent des contribuables quinois. Non, non, quand même, mon frère, il ne faut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. Moi, ça m'a fait honte. Ok. Excusez-moi de vous dire ça. Merci beaucoup, M. Paul. Alors, M. Marcus, vous avez quelque chose à... Un biscuit avant un avant-coup, comme ça on accorde également la parole à monsieur. Ah oui, permettez aussi, messieurs les journalistes, merci pour cette occasion, de saluer quand même les efforts que le gouverneur du site Kivu est en train de mener. Il est le seul, depuis 1960, à prendre des décisions courageuses. Aussitôt nommé, il arrive dans la province. La décision qu'il prend, c'est de suspendre toutes les activités minières, c'est toute l'étendue de la province, pour raison... que lui puisse d'abord s'enquérir de la situation. Parce que vous savez que l'exploitation minière, c'est l'une des causes des conflits que nous vivons aujourd'hui. Il prend le temps d'analyser, de comprendre la situation. Après, il revient aussi sur sa décision avec des mesures bien connues. La première mesure dit donc, chaque entreprise minière doit commencer par avoir son siège social dans la ville de Bukavu. De deux, il dit, chaque entreprise minière doit avoir des hectares, des étendues d'hectares pour l'agriculture. Vous voyez, là, je le trouve directement sur la ligne de conduite de Dr Denis Mukwege, qui a dit dans son programme de campagne de commencer par de mettre fin à la famine. Et quand il demande maintenant aux entreprises minières qui sont dans la province d'avoir des hectares, n'est-ce pas, pour l'agriculture, vous comprendrez que le monsieur a une bonne politique. Il va encore au-delà, il dit que les entreprises minières doivent contribuer, n'est-ce pas, pour la construction des routes de dessertes agricoles. Ouais. Et comme il y a toujours eu des récalcitrants de brebis galaises, certains Chinois voulaient aller au-delà, n'est-ce pas, de la décision prise par les gouverneurs. Quand il interdit, certains Chinois ont commencé à faire la tête de boudet et ils sont allés encore exploiter. Et là, la police est allée remettre l'ordre. Et c'est ça, donc une personne doit être au-dessus de la loi. Je ne suis pas de l'Union sacrée, mais je suis un républicain. Quand il y a des actions à saluer, posé par un fils du pays, parce que quand on a un pouvoir, quand on est gouverneur, on ne l'est pas pour l'Union sacrée, mais on l'est pour toute la province, pour l'intérêt général. C'est ainsi que je salue le gouverneur Jean-Jacques Pourroussi, je lui exprime mon soutien tant qu'il sera en train de travailler pour le bien-être de sa population, qu'il ne se laisse pas emporter par le courant, par le vague du pouvoir, des regroupements politiques et tout, qu'il travaille pour la population. Et c'est ainsi que j'appelle la société civile du Sud Kivu de l'accompagner et la population, parce que le monsieur, il est venu pour travailler pour l'intérêt de sa population, que je salue. Très bien. Alors, docteur, est-ce que vous avez également quelque chose à nous partager avant d'aborder des questions? Merci de me donner cette occasion. Je vais ici interpeller le chef de l'État. J'accuse. Okay.
j'accuse le DG de l'AGECAMINE, cette société étatique. Le monsieur s'appelle monsieur Nkala Bassadiloua Placide. Il est DG de l'AGECAMINE et j'accuse aussi le PCA de l'AGECAMINE. Quelque chose se passe à l'AGECAMINE. Il y a quelque temps, le directeur financier a fait un dégaissement de plus de centaines de milliers de dollars sans l'aval du DG. Le ministre du portefeuille, M. Jean-Luc Mboussa, a adressé un courrier pour que ce monsieur puisse être mis puisse être sanctionné. Mais il doit être sanctionné de quelle manière? Le monsieur, je parle ici de monsieur Muyumba Maoundou Athanase, qui est le directeur financier de l'AGECAMINE, qui est accusé d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers de dollars. Et jusque-là, on l'a juste mis à pied alors que nous attendons des sanctions. Okay. Il y a une incompétence notoire dans les chefs de ces DG. J'ai parlé de M. Nkala Bassadiloua Placide, qui n'est pas à la hauteur des tâches qui lui sont confiées par la République. Je demande purement et simplement au chef de l'État que ces deux personnalités, le PCA, des incompétents notoires, puissent être mises à la disposition de la justice avec le monsieur dont j'ai cité ici, monsieur Muyumba Maoundou Athanase, qui a décaissé des milliers de dollars sans l'aval de la hiérarchie jusqu'à aujourd'hui. Il risque à ce que ces centaines de milliers de dollars puissent traverser les frontières. J'en interpelle le chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, concerne aussi l'institution l'AGECAMINE, que ce monsieur puisse être mis à la disposition de l'État. Je chute par là. J'informe au chef de l'État que ça fait une année et demie que l'AGECAMINE n'a pas produit. Une année et demie que l'AGECAMINE n'a pas produit. Ça prouve l'incompétence, c'est ce que je dis, ce n'est pas des paroles à l'air. Je demande à ce que le conseil d'administration puisse prendre position ou bien diriger la société en attendant qu'un nouveau DG et un nouveau PCA puisse être nommé. En attendant, parce que c'est une société étatique qui est dans le portefeuille, et je demande au chef de l'État, j'accuse que le plus vite que possible, ce DG puisse être arrêté, mis à disposition de la justice. J'interpelle M. le procureur général de la République, qui qui cherche les infractions. Voilà le moment de prendre des individus, le coffrer, afin que toute la lumière puisse être faite sur base de ça. Merci. Merci beaucoup. Agression rwandaise, quelle chance pour la négociation, M. Paul? À quoi peut aboutir la démarche? Quelle est votre lecture par rapport au processus, à la question de sécurité à l'est du pays? Merci mon frère. Moi, je voulais d'abord répondre à mon frère Kaokonde qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est les mêmes déclarations que Kabunda fait, mais il est en prison pour ça. Okay. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Lorsqu'il demande au chef de l'État, il dit que c'est un incompétent. Mais qui est compétent quand même dans ce régime? Je ne sais pas qui est compétent. Sinon que tout le monde était compétent. Qui s'assemble, se ressemble. Moi, je crois que ça, c'est prêché dans le désert parce que les déclarations, d'ailleurs, paraît qu'Abond en a payé, en a fait les frais, il est en prison. Pour la simple déclaration que l'EPS a perdu sa tête, le fait d'être les slogans du peuple d'abord et aujourd'hui un slogan créé. Kabou, il a dit, je vois aussi notre frère en train de se plaindre. Moi, je crois que rien ne marche dans toutes ces entreprises-là. Même la GKM, même la SNEL, même la Transco, ils ont détruit ça. Le Congo, qui est devenu aujourd'hui inexistant. L'ONATRA, n'en parlons pas. Donc, moi, je pense que là, c'est prêché dans le désert. Mon frère, vous savez, dans notre pays ou dans le monde, l'Église catholique a joué beaucoup de rôles dans ce qu'on appelle des négociations, des dialogues pour que les choses changent dans le monde. Vous vous souviendrez, en Pologne, c'est l'Église catholique avec le pape Jean-Paul II qui avait pesé pour que la démocratie puisse élire domicile. Okay. Avec ça, Lech Walesa va arriver au pouvoir. Pour aller vite dans votre question, dans notre épée vers les années 60, on voit le cardinal Maloula avec son livre « L'éveil sur la conscience africaine ». Il avait travaillé aussi pour qu'il y ait quand même l'indépendance dans notre pays.
Malou, là aussi, cardinal, il a beaucoup fait lorsqu'on avait peur de parler du nom de Mobutu. Mais là, déjà, à cette époque-là, Malou, là, criait contre le régime de Mobutu. Le cardinal Malou, là, fustigeait le régime de Mobutu à longueur des journées. Dans cette époque-là, vous savez que Mobutu était indien, même lorsqu'on était dans sa chambre, on ne savait pas parler de mal de Mobutu. Mais lui, il avait osé. À cette époque-là, l'IDPS n'existait pas, mais Étienne Tshisekedi existait, qui était aux côtés de Mobutu, qui prenait des grandes décisions et qui matraquait le peuple congolais à cette époque-là. Mais l'Église catholique, comme de coutume, a été toujours aux côtés des faibles. Vers les années, je crois, 2015-2016, vous voyez, vous allez voir, il y a l'IDPS pour marcher, il faisait recours à l'Église catholique. On a vu même le CG de l'IDPS, je crois, Kabounda à l'époque, qui disait que l'IDPS, si l'IDPS donnait 50, c'était 50-50, l'IDPS donnait 50, l'Église donnait aussi 50, pour qu'en fait, les choses puissent changer. Disons, là, depuis la nuit des temps, l'Église catholique a été toujours aux côtés des faibles. Okay. L'Église catholique n'a jamais pris position pour les puissants, mais pour les faibles. Les faibles sont les peuples qui a toujours souffert. Aujourd'hui, vous me demandez, l'Église catholique a demandé à M. Tshisekedi qu'on ait un dialogue. Mais c'est de bonnes guerres et à juste titre. Mais j'ai été navré d'entendre M. Tshisekedi dire que à quoi il va dialoguer avec qui? Parce qu'avec Fayulu n'a pas reconnu qu'il est chef de l'État, il n'a pas reconnu les résultats. Il a appelé M. Moïse Katoum, un borderline, c'est-à-dire quelqu'un qui vit des sauts d'hiver, et quelqu'un qui n'est pas stable. Il a accusé Kabila d'être derrière l'AFC de Nang, qui ne pouvait pas dialoguer. Mais c'est ça, c'est là où, c'est déjà là, c'était un raté terrible. C'est-à-dire que quand le chef dit ça, ça dit, je crois que soit il n'a pas de conseil, ou bien il ne sait pas ce que c'est un dialogue. Comment on peut parler d'un dialogue s'il n'y a pas antagonisme? Comment on peut parler d'un dialogue s'il n'y a pas des ennemis ou des adversaires? Voilà, mais c'est nous dit que non, lui, ne va, comment il va dialoguer avec Fayulu? Parce que Fayulu ne reconnaît pas son pouvoir. Comment il va parler avec Kabila parce que Kabila est de... Mais justement, c'est ça le dialogue politique. On parle de dialogue lorsqu'il y a des différents. Lorsqu'il y a des antagonistes, des gens qui sont contre ton pouvoir, les gens qui sont contre ton élection, les gens qui sont contre ta gestion. Mais quand il dit qu'il ne va pas dialoguer avec ces gens-là, parce que... Mais peut-être c'est... Même... Peut-être qu'on a... Il a difficile à comprendre ce que c'est un dialogue. Moi, je crois. Mon frère, mais c'est aussi de son droit. Mmh. Par rapport à la question du processus de Luanda, il y a eu les sommets rare pour de la SADC pour trouver une solution par rapport à la guerre. À quoi peut aboutir cette démarche? Mais le processus de Luanda, c'est-à-dire que nous sommes déjà pris dans notre propre piège. Vous savez que le Congo a toujours nié qu'on n'avait pas de FDLR au Congo démocratique. Que le Congo est en train de faire face à la guerre contre le Rwanda avec les FRDC. Ils n'ont jamais eu de FDLR. Mais aujourd'hui, dans cet accord de Luanda, dans cette demande au Congo, de démobiliser, de désarmer les FDLR. Mais ça s'est donné déjà un boulevard à Kagame. Parce que Kagame, la raison majeure de s'attaquer au Congo, c'est parce que le Congo héberge des FDLR, forme des FDLR qui vont un jour revenir au Rwanda et renverser son pouvoir. Et c'est ça, c'est une vraie raison, monsieur Paul. Comment? C'est une vraie raison ou c'est un prétexte que Kagame... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, notre gouvernement semble donner raison à Kagame. Parce qu'ils acceptent, ils ont finalement accepté aujourd'hui qu'ils vont désarmer, qu'ils vont démobiliser les FDLR. Ils ont reconnu ça. C'est-à-dire que le Rwanda donne comme condition que le Congo désarme, démobilise les FDLR. Que le Congo a toujours nié qu'on n'avait pas de FDLR. Vous voyez cette ambiguïté-là, cette ambivalence est une honte dans les concerts des nations pour notre pays. Ok, merci. Une honte. Mmh. Mais pour terminer, ouais. Je voudrais dire que M. Tshisekedi
ne pas accepter le dialogue, ça c'est son droit le plus constitutionnel. Ne pas l'accepter. Mais dire qu'il n'y a pas de dialogue parce qu'il ne s'entend pas avec tel, peut-être ce n'est pas... C'est le fait de ne pas comprendre ce que c'est un dialogue politique. Vous aurez la parole. Alors, M. Marius, à vous également. 44e sommet de la SADC, il y a eu quand même un communiqué qui a été donné. À quoi peut aboutir la démarche de Félix Tshisekedi? Est-ce qu'on est dans une posture de faiblesse? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Depuis un certain moment, depuis plusieurs années, on essaie de limiter le conflit qu'il y a chez nous à un conflit bilatéral, ça veut dire entre la RDC et le Rwanda. À un conflit où bien on peut parler aussi de triangulaire RDC, Rwanda, Ouganda. Et pourtant, les causes profondes de cette guerre sont ailleurs. C'est quoi les causes? Depuis un certain moment, Dr Denis Mukwege est dans un marathon diplomatique. Vous êtes sans ignorer qu'au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, la cité de Panzi, c'est Dr Mukwege, est beaucoup plus fréquentée que la cité de l'OIA. Les diplomates venant de partout dans le monde, ils vont plus à la cité de Panzi parce qu'ils estiment que la solution à la crise que nous avons se trouve entre le mien de Dr Denis Mukwege. Oh. Ouais, se trouve entre le mien de Denis Mukwege. Mmh. Et c'est ainsi que, depuis un moment, Mukwege est dans un marathon diplomatique international aussi où il va vers, n'est-ce pas, le pays qui détient le multinational, n'est-ce pas, qui achète le minerai, n'est-ce pas, à l'Ouganda et au Rwanda, et ces minéraux, c'est que le Rwanda l'exploite à travers la guerre dans notre pays. Or, le même docteur Denis Mukwege a pu arracher, n'est-ce pas, en 2010, une résolution de l'ONU, une résolution 1502, qui interdit l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant des zones de conflit, en particulier en RDC. Cet instrument juridique existe que le gouvernement congolais n'arrive pas à exploiter. Au-delà de ça, Docteur Denis Mukwege, il a rencontré le pape, n'est-ce pas? Il a rencontré le président de l'Italie. Ses intérêts ou les intérêts? Je suis en train de dire pourquoi? Parce qu'il est en train de chercher à arracher encore une fois de plus une conférence internationale pour la RDC. Okay. Parce que si le pays du monde, parce que si la demande c'est de trouver une solution mondiale au conflit que nous avons. Et l'objectif, c'est de faire taire les armes et s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité qui ne cesse de ronger notre pays depuis un certain moment. Et les grandes victimes de ces conflits ici, ce sont le vulnérable, donc les femmes, les enfants et le vieillard. Et c'est toujours à Dr Mukwege qui apporte, n'est-ce pas, des soutiens à cette population-là. Dr Mukwege, aujourd'hui, s'avère comme un atout diplomatique pour la RDC, en fait, de juguler la situation ici. La situation, la guerre que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec le Rwanda à un certain niveau. C'est plutôt une question mondiale. Je vais vous donner des exemples parce que docteur Kankonde, qui est un monsieur que je respecte et avec qui je débat toujours, mais il a toujours donné l'impression comme si, à part la médecine, d'autres notions de la vie ne l'intéressent pas. L'histoire en particulier. Apparemment, lui, l'histoire, ce n'est pas... c'est son affaire. Allez-y. Tenez, messieurs les journalistes. En 1999, nous étions à Lusaka, où il y a eu des discussions. Les mêmes revendications, ce sont les mêmes revendications qui reviennent aujourd'hui. Le Rwanda utilise FDLR comme motif d'agresser les pays. Et pourtant, c'est faux. En 2002... Mais monsieur Paul l'a dit, comment le gouvernement peut accepter? Je vais arriver. En 2002... On se retrouve à San City, où on arrive toujours à partager le pouvoir, mais le Rwanda reste encore avec une cartouche. Après le CD, il crée le CNDP, avec le même motif toujours que non, il y a l'FDLR en RDC. On part en 1997, en négociation à Goma. Le CNDP tombe, on crée le M23. Toujours le même motif, tu vois? Toujours le même motif. Le M23 tombe aujourd'hui, on a le M23 bis. Selon vous, les raisons sont ailleurs. C'est ça que je suis en train d'expliquer ici, que les raisons ne sont pas les FDLR. Et surtout, et ça c'est une grave erreur, une bêtise, dont mon frère ici du PPRD, mais excusez-le nom encore. Monsieur Paul, il vient d'évoquer ici. Comment est-ce que le gouvernement peut accepter de traquer le FDLR? Et pourtant, le FDLR n'est pas une fabrication congolaise. Je reviens encore dans l'histoire que M. Kakonde doit prendre toujours en compte. Comment est-ce que les FDLR sont arrivés dans notre pays?
Et il faut aussi lire la mémoire de Kengo Wadondo. Il dit qu'en 94, la RDC refuse que le Hutu entre dans notre pays. Mais c'est la minoire avec le contingent français, à travers l'opération Turquoise, qui nous impose des Hutus militaires, ils entrent dans notre territoire avec armes et munitions. Et au-delà de ça, avec leurs banques, avec des millions d'argent, ils entrent sur notre territoire. Et quand les AFDL, permettez-moi de définir mon fil d'idée, quand les AFDL entrent avec l'accompagnement de Rwanda, le Rwanda essaie de repousser ces Hutus-là dans nos forêts. À tel point que ça fait 30 ans aujourd'hui que ces gens sont dans la forêt, ils exploitent nos minerais, ils ont la maîtrise de la situation. Et aujourd'hui, si on dit que le FRDC va aller les traquer, j'ai comme l'impression que le FRDC a plus la maîtrise de cette zone-là que nos militaires. Et encore le docteur Denis Mukwege a même alerté, il vous dit quoi? Il dit aux gens de pouvoir quoi? Il dit attention, n'organisez pas le départ précipité de la MONUSCO. Parce que si la MONUSCO quitte notre territoire, c'est encore nos populations qui seront encore en insécurité. Ça veut dire que quand on va commencer à traquer le FDLR, dont le gouvernement congolais n'est pas la fabrication, n'a pas la maîtrise, c'est la population qui va encore commencer à en pâtir. Et la grande question que je me pose, quand nous allons en négociation, nous avons des négociateurs, la RDC envoie qui? Est-ce que vous connaissez l'actuel ministre des Affaires étrangères? Est-ce que vous connaissez son expertise par rapport à cette question de l'Est? Qui est l'équipe qui accompagne ces dames-là? Tandis que le Rwanda, il envoie qui, messieurs les journalistes? Vincent Biruta, merci. Le ministre des Affaires étrangères, qui est au gouvernement depuis 20 ans. Il a été président du Sénat, il est plusieurs fois ministre. On envoie le ministre de la coopération internationale, James Kabarebe. Qui a la maîtrise, messieurs les journalistes? Pardon, qui a la maîtrise de la question congolaise? Il a été chef d'état-major général de force de la RDC ici. Il a la maîtrise plus que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui vont en négociation et qui induisent, parce qu'ils ont la maîtrise des dates, des événements et tout. L'actuelle dame, de manière qu'on connaît le nom de l'actuel ministre des Affaires étrangères. Cette dame-là, elle n'a aucune maîtrise de la situation, ce qui les amène à accepter l'inacceptable. On doit aujourd'hui s'adresser à la communauté internationale, messieurs les journalistes, de faire tout pour mettre fin à cette situation-là de FDLR, parce que c'est la fabrication de la communauté internationale. Très bien. Mais quand aujourd'hui on se retrouve dans une situation de faiblesse, c'est compliqué. Aujourd'hui, je présente le docteur Denis Mukwege comme un atout diplomatique. Et il est là. Le président de la République a intérêt de rencontrer ce monsieur-là pour qu'enfin Denis Mukwege puisse partager, n'est-ce pas, son analyse, mais sa compréhension des faits avec le président de la République. Ce que dit, bon, Denis Mukwege a accepté de manière sportive, hein, accepter les élections. Il y a aussi des conditions. Un Congolais avéré ne peut pas accepter ce qu'on a connu comme simulacre électoral. Et c'est ça aussi la source des conflits que nous avons ici. Ouais. Denis Mukwege, c'est un d'une fils du pays. C'est un monsieur qui fait preuve de l'amour du pays. Il n'y a aucun Congolais aujourd'hui qui défend la RDC. Je vous ai donné cet exemple de la résolution 15-002 de l'ONU, que le gouvernement Tshisekedi n'arrive pas à mettre en pratique pour interdire l'exploitation, surtout l'achat, la commercialisation des matières premières de la RDC, qui est la source des conflits. Docteur, vous avez également 6 minutes. Je voudrais que vous, à vous également, comment, que faire pour mettre fin à la guerre de l'Est? Monsieur Marius parle qu'il y a une complaisance dans les négociations par rapport à nos représentants à ces processus. Monsieur Jean-Paul parle également de la manière dont Félix Tshisekedi a traité ses adversaires. Est-ce qu'il y aurait-il possibilité de se mettre d'accord? Parce que la guerre, et Monsieur Marius l'a dit, au niveau interne d'abord et au niveau externe où il y a des manipulations par la communauté internationale. Daniel Kamboa, un garçon très intelligent, journaliste intelligent de sa république. J'ai noté ici 7 minutes et demie part de mon cher Marius et mon cher Kazembe. Lui n'a pris que 7 minutes seulement. J'ai mon chrono. Allez-y. Je pense que vous devez aussi me rendre la monnaie de ma caisse. D'abord, je ne sais pas par où commencer. Je commence d'abord avec Marius. Laissez Denis Mukwege tranquille.
il mérite le respect qui lui a été ravi. Et Félix Antoine Tshisekedi l'a remis ces respects-là. Il est arrivé ici, quand il a acquis son prix Nobel de la paix, on ne l'avait jamais reçu. Après le discours fait au Conseil de sécurité des Nations Unies, en 2012, Denis Mukwege rentra chez lui, où un commando s'est infiltré dans sa maison. Il a failli être tué. Il est sorti miraculeusement, et les gens ne savent même pas comment il est sorti. Et tout ça, on accusait Kabila, que vous pensez défendre maintenant. Non, la correction, mais, je ne suis pas du PPRD. Correction, je ne défends pas Kabila. Je suis pour le bien de la population. Juste une mise en point. Merci. Avant de revenir sur Jean-Marie Kazembe, donc Jean-Paul Kazembe, je vais le défoncer. Je ne voudrais pas que vous puissiez faire comprendre au monde entier que c'est digne fils de pays qui s'est illustré par rapport à son travail, qui a fait l'honneur de la République, et si chez lui, n'a jamais été reçu. Je dis bien qu'avec Kabila, il n'a même pas reçu un encouragement, même pas un bonjour, même pas une salutation, même pas une félicitation. Il fallait attendre l'avènement de Félix Antoine pour qu'il puisse être présenté à tous les Congolais et faire la fierté de la République. Félix, s'il est mauvais, à ce niveau-là, il a fait quelque chose de très important. Vous devez le saluer. Deuxième moment, il marche partout. Il a fait son pensionnatal comme étant une deuxième république où tous les grands du monde viennent le voir rendre visite. Effectivement, c'est bien. C'est un fils du pays, mais il n'a jamais été président de la République. Pourquoi? Parce que regardez ce qui s'est passé lors des élections présidentielles. Je ne sais pas combien de pourcentages il a eu. Vous-même pouvez avoir le courage de dire à la population congolaise combien il a eu comme pourcentage. Il a circulé, il a battu campagne, mais vous avez vu comment ça s'est passé. Donc ne revenez pas ici pour dire que la solution d'échange ici, c'est Mukwege. Non, il ne faut pas dire ça. Vous m'avez posé la question de qui est la ministre des Affaires étrangères. Elle s'appelle Marie-Thérèse Kayikwamba Wagner, que vous connaissez. Parce que vous m'avez posé la question si je connaissais son nom. Mais avant elle, c'était, il y a aussi, elle est ministre d'État, ministre chargée des Affaires étrangères. Il y a aussi Bessine Kazadi, que je connais personnellement, avec qui je tourne dans la diplomatie. Donc, docteur Kankonda, le paricochet du chef de l'État, n'est pas revenu hier. Donc, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de pluie derrière lui. Il n'est pas né à la dernière pluie. Je ferme la parenthèse. Je ne voudrais pas que vous reveniez. Si Mukwege fait le travail qu'il fait en tant que prix Nobel de la paix, j'aurais bien voulu qu'il soit prix Nobel de la médecine, mais il est prix Nobel de la paix. Comprenez la nuance. Combien derrière Mukwege ont été tués de médecins proches de lui que Mukwege doit la vie? Ce n'est pas en parlant très fort au micro, parce que l'inventeur du micro, il l'a fait pour que les gens qui sont trop loin, quand vous parlez trop bas, ils peuvent vous entendre. Comme ceux qui sont dans la diaspora, qui nous écoutent en ce moment. Quand je parle de la diaspora, elle est plurielle. En Angola, il y a des Congolais. Au Rwanda, il y a beaucoup de Congolais qui vivent là. En Ouganda, ils sont beaucoup, un peu partout, ceux qui sont en Europe aussi. Je ferme la parenthèse. Monsieur Kazembe, rappelez-vous ici que vous parlez du dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. C'est vous qui êtes l'instigateur, l'initiateur de la constitution actuelle. Que dit la constitution, monsieur Kazembe? Depuis la refondation du Congo, nous avions eu plus de 52 dialogues. Ça n'a pas aidé la République à avancer. Nous allons dialoguer sur quoi? Et pourquoi? Parce que le dialogue que nous avons aujourd'hui, ça apportait quoi? Même les dialogues de Saint-Sylvestre, même tous les dialogues, là, ça apportait quoi, monsieur Kazembe? Kazamba, excuse-moi de massacrer votre nom. Ça arrive quand les débats commencent, l'onction de Papa Tshisekedi commence à tomber sur nous. Allez-y. Imaginez, Fayoul se dit aujourd'hui être prêt pour dialoguer avec le Félix Antoine Tshisekedi. Oh, mais je rêve ou quoi? Mais Fayoulou a traité la main de Félix Antoine Tshilombo comme étant une main qui a du sang de Congolais, alors que Félix ne venait que de prendre son pouvoir. Il avait même réservé une place d'honneur quand il a présenté son discours d'investiture.
Il a cité Martin Fayulu comme étant commandant du peuple. Lui, il a compris que c'était une faiblesse. Au contraire, aujourd'hui, Martin Fayulu pleura. Il a reçu combien de pourcentages en 2023 lors des dernières élections? À peu près 5-6%. C'est ça le même pourcentage qu'il a eu en 2018. Deuxièmement, Fayulu ne peut pas demander le dialogue parce qu'il a traité Félix Antoine comme un pantin. Vous savez ce que ça dit, un pantin? Il a cité, insulté Félix Antoine comme un placebo. Voilà son éducation. Il insulte un chef de l'État en fonction de cette manière-là. Je sais que si c'était dans les temps de Kabila, il n'aurait même pas quitté le plateau où il était en train de citer ce qu'il avait dit. J'ai dit si c'était Kabila. Parce que dans les temps de Kabila, ici nous sommes à la télévision, tu ne sortiras pas ça du plateau quand tu t'es... voilà, aujourd'hui les gens parlent, ils crient, voilà la démocratie. Ouais. Troisième moment, je dis qu'il n'y aura pas de dialogue. Vous nous avez cité ici les Sango. Les Sango, vous devez savoir quel est leur statut dans la République. Ils ont le statut d'être comme autre organisation non gouvernementale, à but non lucratif. Ils ont le même pouvoir, ils ont le même rang que l'Église catholique, l'Église Mutombo, l'Église de Pasteur Walesa, l'Église d'Hervé Pasteur Walesa, que je salue en passant, comme l'Église tous ces pasteurs-là. Imaginez, dans le temps de PPRD, il y a un ancien ministre, Kabang Enoumbi, qui a arrêté le prêtre qui les a dénudés à Tikabaou Mutakala. Vous savez pourquoi? Le prêtre manifestait, avec les croix, avec le chapelet, ainsi de suite. Kabang Enoumbi a arrêté les prêtres, on les a laissés nus, on les a frappés. Ça, ce sont des vérités. Ça ne s'est jamais fait avec Kabila, avec Félix-Antoine Tshilombo. Ça ne se fera jamais. Et regardez ce qui s'est passé. Kabang Enoumbi les accuse d'avoir manifesté avec les armes. Quelles sont les armes? On lui pose la question. Ils ont les chapelets, ils ont les bougies, ils ont les croix. Je ferme la parenthèse. Vous n'avez pas de leçons à nous donner, M. Kazamba. PPRD n'a pas de leçons à nous donner ici. Ne revenez pas là-dessus. Si l'Église catholique demande le dialogue, mais c'est normal, nous sommes en démocratie. Ils peuvent demander. Mais quant au pouvoir en place, de voir la possibilité pour dire est-ce qu'il y a une crise persistante ou pas. Ça, je reviens dans la Constitution. La question, c'est quand on présente, l'Église catholique sollicite ces dialogues, la supposée main tendue, mais c'est les conditions de Félix Tshisekedi qui dérangent. Il demande que Fayulu accepte d'abord qu'il est président, il traite Katumbi d'être limité, et ainsi de suite. Nous sommes divisés à l'interne, comme l'ennemi le veut, pour... Il y a trop de frustrations. L'Église catholique doit nous... Écoutez, l'Église catholique est représentée par la SEMCO, qui est un parti politique, qui est né déjà, peut-être vous n'êtes pas au courant, dont l'autorité morale, c'est un bongo, qu'eux-mêmes n'ont jamais... Vous savez qu'on les avait traités comme étant de quoi? Les médiocres. C'est déjà passé. Aujourd'hui, ils reprennent l'histoire de l'Église catholique. Je vais épargner l'Église catholique ici. Vous n'avez jamais été d'accord. Rappelez les accords ou bien les promesses faites au cardinal. Vous l'avez promis même une jeep, il était obligé de passer à la télé pour dire, dans le stade pour dire, mais voilà, ils nous ont promis des jeeps, ils nous ont jamais donné, ce sont des menteurs. Docteur, rappelez-vous, avant que Chadar puisse se rétropédaler pour aller donner la jeep, et ainsi de suite. Ils vous ont traité de menteurs. Rappelez-vous, le cardinal Mosengo Passigna, de reuse mémoire, tout ce qu'il avait dit. Donc, monsieur, vous n'avez pas les leçons à nous donner. Il n'y aura pas de dialogue. De toute façon, le dialogue que l'UDPS dans les temps a dû acquérir, c'était par force. Je reviens maintenant. Ça, mes 5 minutes, il reste mes 2 minutes et demie pour pouvoir rencontrer votre question. La question de l'insécurité à l'instant. La démarche. La question. Oui. La même question. Est-ce que la RDC se trouve aujourd'hui dans une posture de faiblesse? La RDC est en position de force. La RDC est en position de force parce que vous pouvez comprendre que Félix Antoine, depuis son avènement, vous savez, M. Kazamba, la moquerie est toujours définie. Je lui réponds. La moquerie. De rire, vraiment. Je ne sais pas pourquoi cette dictature. Allez-y. La moquerie. Vous allez m'interdire vraiment de rire, sincèrement, mon frère. Il faut que je me fâche.
Non, non, allez. Mais comment? Très bien. Quel est-ce que dois-je adopter tout de suite là? Mais fâché ou... Non, non, restez. La moquerie est souvent l'indigence de l'esprit. Alors, je vous demande de ne pas être vraiment indigent de l'esprit pour pouvoir faire. C'est désagréable ce que vous faites. Mmh. Village que nous avons, nous parlons de choses importantes. Allez-y, docteur. Le chef de l'État, Félix-Antoine, lors de son avènement, j'ai entendu le porte-parole de Kagame ici, en train de parler, M. Kazamba. Oh. Je vais revenir par rapport à ce qu'il a dit. Et je le dirai textuellement, authentiquement, par rapport à ce qu'il a dit. Le chef de l'État, Félix-Antoine, en accédant au pouvoir, rappelez-vous que sur le plan géographique, la RDC occupe une place prépondérante, que ce soit dans l'économie, que ce soit dans les finances, que ce soit sur le plan sécuritaire, comme l'Allemagne. L'Allemagne a une frontière et la RDC a une frontière. Rappelez-vous que la France avait attaqué l'Allemagne parce que lui pense qu'il a le monopole, Monsieur Marius Mobarama, il a le monopole de l'histoire, mais nous, nous connaissons aussi l'histoire. Congolaise, non. Occidentale, oui. Je vais revenir. Allez-y. Quand vous voulez qu'on commence par Sen City, par l'accession de Mobutu au pouvoir, par l'indépendance, comment ça a commencé, je suis mieux préparé, je suis mieux outillé. Okay. C'est bien. Alors, parce que la télévision, c'est le temps, je ne voudrais pas gâcher les minutes pour des choses que tout le monde connaît. On retient pas. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais dans ce que vous avez dit, il n'y a pas vraiment de substance. Mais peut-être ceux qui vont vous juger, vous jugeront, vous regarderez le commentaire. Imaginez ici que le chef de l'État a dû d'abord rencontrer tous ses voisins pour leur dire, nous sommes d'abord le Bantou, la diplomatie agissante, quand ça brille chez le voisin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être très content parce que le feu peut venir chez vous. Okay. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi nous ne pouvons pas rester unis parce que nous sommes tous des voisins et ça restera comme ça? Je me rappelle ici de l'année passée où M. Kagame, quand il était à Ouagadougou, qu'on ne vous fasse pas la pression par le PPRD. Ils ne sont pas dans leur temps. Excuse-moi. Je suis en train de répondre à votre question. Permettez quand même, si j'ai des excès de minutes, ils vont reprendre mes minutes. Excusez-moi, c'est vous le juge. C'est vous l'arbitre. Le M. Kagame a fait la déclaration pour dire le problème, ce n'est même pas le M23. Le problème, ce n'est même pas Félix-Antoine. Il était à Ouagadougou. Le problème, c'est nous réclamons nos terres qui sont au Congo. Depuis l'indépendance, quand les Belges, ils avaient coupé les frontières. Mais cette question n'est plus à l'ordre du jour. Vous savez, c'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez Lorenzo quitter chez lui, venir ici rencontrer le chef de l'État. Heureusement que le chef de l'État ne s'était pas déplacé. Parce que tout le monde ici allait compter encore, il s'est déplacé, il a fait un tel voyage. Alors que dans les temps, 18 ans passés, nous avions eu un président taiseux qui ne savait pas parler, qui n'avait même pas le verbe. Merci. Parce qu'il apprenait le français. Merci. Maintenant ici, que Lorenzo est venu avec l'implication de la SADC qui est entrée chez nous. Merci. Pour dire, parce que la SADC est chez nous, ils sont venus pour assister la RDC avec la nouvelle résolution qui leur donne MINUSCA, qui leur demande à ce qu'ils puissent s'impliquer et à interagir au même moment pour attaquer les Rwandais. Merci. Mais quand les Rwandais sont ici chez nous, ils sont venus. Il y a eu ici l'accord de soubresaut qu'il y a eu avec le Rwanda quand on a déclaré l'état de... Comment, le... Merci beaucoup, docteur. On revient. On revient, docteur. Alors, monsieur Jean-Paul, j'ai vu que vous avez beaucoup noté. Votre réaction, comme ça, on continue. Non, je voulais dire d'abord à monsieur Kakonde qu'en science politique, disons qu'un opérateur politique est évalué non pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il fait. On peut bien parler, beau parler, pour ne rien faire. On peut faire 1000 promesses pour ne réaliser aucune promesse, comme M. Kédé l'a fait. Kabila est arrivé au pouvoir, il a trouvé ce pays morcelé. Vous savez que pour aller à l'Équateur, il fallait passer par le Centrafrique. Pour aller à Goma, il fallait passer par le Rwanda. Mais on a vu cette désir-là qui a réunifié le pays. Je crois que si c'était eux qui étaient au pouvoir, ce pays allait déjà disparaître. À cette époque-là. C'est pas vrai. Mon frère, je suis navré d'entendre un délit de peste dire il, qu'il. Il n'est pas délit de peste. Oui, ils viennent comme ça avec des casquettes différentes, mais ça, c'est un fervent militant. Délit de peste, quand il parle. Quand il vient dire ici à la télévision qu'on n'a pas besoin de dialogue, mais moi, ça. C'est pour la raison pour laquelle vous me voyez rire. Qui ne sait pas que M. Tshisekedi, dans ce pays, n'avait pas gagné des élections?
et qu'il est arrivé au pouvoir par des dialogues, par ce qu'on appelle les compromis à l'africaine. Kabila doit être arrêté. Ce sont des puissants qui les disent. Kabila doit être arrêté. Mais sois quand même tolérant, mon frère. Sois tolérant. Kabila doit être arrêté. Sois tolérant, soit tolérant. Sois tolérant. Mais qui ne le sait pas qu'il n'avait pas gagné les élections, qu'il est au pouvoir par les dialogues. Qu'il a accédé au pouvoir par le compromis à l'africaine. Ça, tout le monde le sait, même des petits-enfants. Alors aujourd'hui, venez nous dire qu'il n'a pas besoin de l'autre parce que... Mais c'est honteux que ça sort de leur bouche. Mon frère, moi, je crois que nous sommes en face des jouisseurs. Aujourd'hui, pour l'IDPS, Bounagana peut être entre les mains de l'FC pendant 3-4 ans. C'est pas les ça ne les regarde pas. Parce que je ne sais même pas, c'est vrai. C'est bien beau de se taper la poitrine, on n'a pas besoin de dialogue. Mais sur le terrain, il est même, on les voit en train même de se moquer de M. Tchèque parce qu'il dit que nous sommes forts. Mais alors que nous regardons que sur le terrain, nous sommes en train de perdre nos territoires chaque jour qui passe. Et chaque jour qui passe, on nous parle des respirs stratégiques. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Monsieur Dan, moi je crois, quand on dit par exemple ici que si c'était à l'époque de Kabila, personne ne sortirait. Mais moi je crois que s'il y a quelqu'un qui a été, il n'y a pas eu un président qui a été incité comme Kabila, alors chef de l'État. Lui-même veut décider de dire ici que Mamosé, on avait traité Kabila de médiocre. Okay. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté, parler à la télévision. Il y a eu des émissions à la télévision comme émission d'un soir des cloches. Là, c'est encore sous Mobutu que cette émission a existé. Il y a des émissions, ça fait débat, peut-être lui ne sait pas que Kabila est au pouvoir. Et qu'on parlait, et on critique Kabila à longueur, on les citait à longueur des journées. Il ne répond pas à votre question. Non, tu as dit ici qu'il y a des choses. Non, je ne suis pas dans, je suis en train de te répondre pour te dire que cette liberté d'expression n'a pas commencé aujourd'hui. Mais je peux vous citer qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en prison parce qu'ils ont parlé. Mais pourquoi Jean-Marc Abouné est en prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est du PPRD. C'est parce qu'il a parlé. Il est du PPRD. Voilà. Non. Non, excusez-moi. Ce n'est pas un Tshisekediste. Non. Il n'était pas de non, j'ai dit que c'est un Congolais qui est en prison parce qu'il a critiqué Tshisekedi. Ok. Parce que le fait d'avoir parlé, il est en prison. Mike Mukeba est en prison pour avoir parlé. Ok. Il y a des gens qui ont été tués pour avoir parlé. Par qui? Toi, tu le sais. Oh. Qui a tué Chérubin Okende? Qu'est-ce qu'il a fait pour être tué, pour être ramassé comme un... Jean-Paul, s'il vous plaît. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin? Est-ce que vous pensez que plus on est unis à l'interne, on peut booster... Mon cher frère, ici nous avons un problème. Là, je voudrais un peu parler à Marius. Nous avons un pays riche. Okay. Vous savez, ce n'est pas une première des rébellions dans notre pays. On en a eu avec Mobutu. Et Mobutu, à chaque fois, il sortait gagnant. On a eu ce qu'on appelle la guerre de 80 jours au Katanga. On a eu la guerre avec James Cram à Bukavu, si je ne m'abuse. Oui, oui, James Cram. Toutes ces guerres étaient défaites par Mobutu. Les M23 existaient aussi sous Kabila. Et qui avaient été défaits militairement par Kabila. Ça, c'est... Mais c'est ce qu'il a dit à la télévision. Nous avons un pays riche qui a des richesses entourées de pays pauvres. Mais qui, malheureusement, nous sommes gouvernés par des irresponsables. Des gens qui ne savent pas que nous sommes un pays riche et que ce pays doit être sécurisé. Que ce pays doit être à même d'une armée qui correspond à ses richesses. C'est comme quelqu'un qui a du diamant, qui a de l'or dans une maison, mais qui ne sait pas fermer sa porte à clé. Et les gens, le Congo va devenir un marché, un boulevard. On en a eu la guerre à l'Angola, en a eu aussi, à un moment donné. L'ONITA de Savim avait comme base arrière le Congo démocratique. Mais qu'est-ce que l'Angola a fait? L'Angola s'est bâti pour construire son armée et aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Ce n'est pas seulement le Congo qui est le pays riche. Vous croyez que... Monsieur, le problème aujourd'hui, nous avons un problème d'armée. Nous avons aussi un problème de diplomatie. Okay. Lorsque ces gens parlent de diplomatie agissant, moi, ça me fait rire. Mais pourquoi le Rwanda, un petit pays, peut être mieux écouté aujourd'hui au Conseil des Nations que nous autres, le Congo démocratique? Mais M. Marius l'a dit que la guerre est ailleurs. Mais pourquoi cette guerre doit être ailleurs? Pourquoi avant, il n'y avait pas cette guerre? C'est le manque de diplomatie aussi okay. qui fait ça.
Oui, oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une époque où Mobutu était les gendarmes de la CIA au Congo, en Afrique centrale? Merci. Nous avons une crise criante de leadership. Je crois qu'un de leurs membres du gouvernement l'avait reconnu, que nous avons une crise terrible de leadership. Je crois, Jean-Lucien Moussa, nous avons d'abord un problème de leadership, nous avons un problème d'incompétence. Il parlait de la médecine. Et aujourd'hui, mon frère, je peux vous dire une chose. Ça, je peux vous la mettre dans le cœur. C'est-à-dire qu'avec l'IDPS, l'Est n'est pas leur problème. Avec l'IDPS, Bounaka peut faire 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas leur. Ce sont des jouisseurs. Merci beaucoup. Alors, il faut s'attendre rien de ces gens. Ce sont des fins jouisseurs. Merci. Le Congo a aujourd'hui besoin des révolutionnaires. On peut tout dire de Kabila. On revient. Oh non, je voudrais terminer. Je voudrais chuter. On peut tout dire de Kabila. Tout dire. Moi, je ne dis pas que tout était rose avec Kabila. Mais on voit un jeune qui avait 29 ans au pouvoir, qui trouve un pays morcelé. On voit c'est un jeune homme qui n'a pas pleuré, mais qui a fourni des efforts pour que ce Congo aujourd'hui soit réunifié. Et qui laisse ce pays à son entièreté, à l'IDPS. Mais aujourd'hui, ce pays est en train de se dépiécer avec l'IDPS au pouvoir. De manière ramassée, dans le démarche pour mettre fin à la guerre, à l'agression rwandaise, de manière ramassée, qu'est-ce qu'il faut faire? De manière ramassée. Bien, qu'est-ce que vous reprochez au régime? De manière ramassée, je ne sais même pas sur quel pied danser. Parce que d'abord, l'IDPS a acquisé les IESA, l'IDPS a acquisé Kagame, ou l'IDPS a tenté d'acquiser Kabila. Être derrière la guerre à l'Est. Si, Donc vous voyez que nous sommes dans une. L'IDPS est en train de nous conduire dans une nébuleuse où on ne sait même pas sur quel pied danser. Mais de toutes les façons, parce que nous sommes en face, que c'est notre pays. Oui. Et que nous sommes en face des gens qui ne savent pas quoi faire, on est obligé de partager expériences. Non, on est obligé. Marius l'a dit. Merci. C'est un gouvernement constitué des jouisseurs. Personne ne sait quoi faire. Quand je vois Kankonde pleurer pour la Gécamine, mais moi je dis que, mais toutes les entreprises vont devenir aujourd'hui des canards boîtés. Même les entreprises que l'IDPS a trouvées, les Transco n'existent plus. L'ONATRA n'existe plus. Merci. Toutes ces entreprises-là. Donc, finalement, mon frère. Vous aurez les derniers mots. Vous aurez. Finalement, moi, je pense. Oui. Moi, je pense que le véritable problème pour nous aujourd'hui, c'est. Il y a un dialogue. Très bien. Parce qu'il n'arrive pas. Très bien. Merci. Il faut un dialogue, voir des gens compétents, réfléchir ensemble, voir comment on peut être unis et faire face à l'adversaire. Très bien. Nous avons compris. Il faut. Ils sont au bout du rouleau. OK. Monsieur Marius, à vous également. Vous avez suivi, docteur, vos réactions avant de prendre la dernière question parce qu'il ne reste que les mots. Oui, je n'ai pas assez de réactions à donner parce que quand vous suivez l'intervention du docteur Kankonde, il n'a pas raconté votre question, mais seulement il était en train de se justifier ou bien des attaques personnelles. Ouais. Vous avez posé la question de savoir, par rapport à la situation que nous avons ici, quelle solution? Il n'y a aucune solution qu'il a donnée et ce n'est pas de sa faute. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir n'importe quel type d'intelligence, mais tant que vous appartenez à l'Union sacrée, vous êtes nul. Parce qu'à l'Union sacrée, il n'y a pas des idées. À l'Union sacrée, quand il y a un intelligent qui veut émerger... Les idées sont qu'à l'opposition. Je vous dis ceci. Docteur Mukwege est très avancé par rapport aux problèmes que nous avons et aux solutions, aux remèdes à donner à ces questions-ci. C'est ici, je vous ai dit, il faudra que le pouvoir en place puisse rencontrer ce digne fils de ces pays. Vous parlez aussi de dialoguer, mais se mettre ensemble avec tout le monde pour la question, quand on parle l'intérêt national. Quand on parle de dialoguer, mais le président de la République a dit dialoguer avec qui? Moi aussi, il peut imposer aussi de dialoguer avec qui? Parce qu'en termes de dialogue et des accords signés, l'IDPS s'est avéré comme un partenaire qui ne respecte aucun accord. Ça veut dire que vous pouvez aller en négociation, en discussion. Mais les clauses de la négociation, de la discussion, ne sera pas respectées. Et avec ça, et c'est de cette manière. Regarde aujourd'hui, messieurs les journalistes, à l'Union sacrée, ils sont là, ils ont des accords. Mais ces accords-là ne sont pas respectés. Aujourd'hui, tous les partis de l'Union sacrée sont en train de pleurer. Ils sont dans la frustration. Bah, il vous dit que non, il a 40 députés. Mais on lui a donné que ce n'est pas mon trois ministères.
Telle personne dit que non, tout ce qu'on devrait me donner, je n'ai rien, j'ai 12 députés. La frustration. Et c'est dans ce genre de frustration-là qu'on est en train de gouverner le pays. Et du coup, ils semblent en train de tourner à rond, ils ne savent pas avancer. Il n'y a aucun secteur aujourd'hui au pays qui marche. Hier, on nous a présenté l'IAO comme l'un des meilleurs, mais les pinés sont en train de brûler à la fonction publique. Pourquoi? Parce que rien n'avance. Quand vous allez dans le secteur de santé, on nous a vanté la gratuité de maternité. Quand vous allez à Boende, à Walungu, à Walikale, ce n'est pas une réalité. On nous a vanté la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, primaire, enseignement de base. Dans des écoles à Kinshasa, les parents commencent à s'organiser pour essayer un peu de soulever tant soit peu la qualité de l'enseignement. Donc ce pouvoir ici est venu tuer, tu vois, l'avancée qu'on avait déjà. Nous, avec l'UDPS, nous avions combattu le pouvoir de Kabila. Avec l'idée que celui qui va venir puisse faire mieux que Kabila. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, ils sont en train de tuer davantage le pays. Et vous savez, comme tout le monde, nous avions décrié sur votre plateau la façon dont le gouvernement a été nommé. Ouais. La façon dont le gouvernement a été nommé. Mais aujourd'hui, Mme Soumino, elle est bloquée. Elle va évaluer. Dis-moi le changement depuis que Mme Soumino, déjà 100 jours, c'est bientôt. Quels sont les résultats palpables de son gouvernement? Je l'ai suivi. Le président l'a dit, il faut laisser un peu les temps. Non, il faut arrêter ça. Arrêtez ça, monsieur le journaliste. C'est 3 mois après. Je l'ai suivi à Kisangani. Dire que non, on doit organiser la justice transitionnelle. Non. Il faut que le tribunal pénal international soit établi pour les crimes et qu'on sort. Oui. Mais qu'est-ce que la diplomatie? Parce que pour arracher ça, il faut une forte diplomatie. N'est-ce pas? Et Denis Mukwege est très avancé à la matière. Denis Mukwege a un carnet d'adresses très fort pour permettre au pays que ce tribunal-là soit une réalité. Mais docteur Denis Mukwege a été vilipendé par elle. On a présenté docteur Mukwege comme un monsieur qui n'a aucune solution, mais aujourd'hui, on commence à le féliciter. Et moi, j'ai dit ceci. Okay. Mukwege, là où il est, je n'ai pas fini parce que la question n'est pas encore posée. Docteur Mukwege, là où il est, il n'a pas besoin d'être encouragé, d'être félicité. Ce dont a besoin Mukwege aujourd'hui, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. N'est-ce pas? Que les Congolais soient sécurisés, que les Congolais aient un revenu qui puisse le permettre de nouer les débuts de moi. J'attends la question, monsieur le journaliste. La question avant de revenir à monsieur Jean-Paul. Est-ce que vous êtes... Pardon? Pour... Mais docteur, ne vous en faites pas. Je vais parler, puis je vais terminer. Pardon. Alors, vous êtes également pour qu'il y ait dialogue, n'est-ce pas? Je l'ai dit ici, que le pouvoir de Tshisekedi est limité. À quelles conditions? Si vous êtes, moi, d'accord. Écoute, pour répondre à cette question-là, je voudrais que... Oui, à quelles conditions? Je voudrais d'abord que le vice dont Denis Mukwege a parlé pendant la campagne soit combattu. Et aujourd'hui, le pouvoir ici s'illustre dans ce vice-là. Allié place de soutenir l'armée, on préfère soutenir celui qui a détourné plus de 500 millions de dollars. Vous avez suivi le chef de l'État quand il défend Nicolas Kazadi. Il a été accusé, l'un de ses complices a été jeté en prison, mais le chef de l'État a préféré de soutenir Denis Mukwege. À soutenir. Commencez d'abord à combattre le vice. Aujourd'hui, le Rwanda, M. Paul l'a dit ici, est très compris, est très suivi. Sa voix à l'international est acceptée. Pourquoi? Parce que le Rwanda, vous n'allez jamais écouter parler de détournement. Nous ici, allez à place d'envoyer nos militaires dans des écoles de formation. On préfère ici recruter les Kuluna. À qui on instruit pendant un mois, on lui donne l'arme. Après, il revient tuer la population. Ouais. Donc, on doit s'organiser à l'interne ici, organiser l'armée, former l'armée, donner. Mukwege en avait parlé. Or, en fait, comment recruter les meilleurs des Congolais dans tous les territoires. Parce que l'armée que nous avons aujourd'hui, c'est une armée qui appartient à des partis politiques. Merci. Les militaires s'identifient au MLC, au RCD, au PPRD et qu'on sort. Ça, ce n'est pas une armée. Il faudra refonder l'armée. Et cette armée-là, c'est le seul rempart que nous avons pour mettre en déroute, n'est-ce pas, tous ceux qui nous agressent. Merci. Alors, M. Chapoz, vous aurez la parole. Docteur, à vous également, votre réaction, je vois, vous êtes en rédaction. Allez-y, réagissez comme ça, il nous reste quelques minutes et puis on va conclure. Vous avez compris que ils se sont embrouillés eux-mêmes. Non, ils sont pour les dialogues, mais non. Ils ont. Monsieur Marius a présenté les préalables. Permettez que je parle. Très bien. Ils sont à deux. Mais permettez que je parle. Allez-y. Je dois ramasser. Okay. Je n'ai jamais réclamé les minutes
Mais ils sont à deux, vous avez compris. Et ceux qui nous suivent peuvent comprendre qu'ils sont à deux. Mais avant d'aller trop loin, je vais vous poser la question. Si il y aura dialogue, il n'y aura pas dialogue. Oh. Nix, nul, zéro, Lubungu Toulou, Tijeng. Vous passez Pignon. Par la petite fenêtre. Dis-lui de me calmer, de se calmer. Ça devient désagréable. Non, non, pas de change. Kabila est le tout-puissant, le génitaire soutien de Nanga. Aujourd'hui, l'homme qui déstabilise la République, il n'y aura pas de dialogue. Et surtout pas avec le PPRD. On va voir qu'il est continué. Je vais poser une question très importante. Mais le monsieur nous raconte ici des blabla, les gens qui sont arrêtés, Jean-Marc Abunda Kabound, mais il est de l'UDPS. Quand vous m'insultez, moi, de lui, soi-disant de l'UDPS, ça ne vous dit rien. C'est monsieur le vous dites que vous êtes du DPS, c'est une insulte. Je suis content d'ailleurs. C'est compliqué. D'être représenté comme membre de l'UDPS ici, alors que ici on m'a présenté comme le paricoché du chef de l'État. Très bien. Vous défendez un individu, mais vous ne défendez pas la République. Moi, je défends la République. Voilà la différence entre nous trois. Lui, il parle de Kabila 100%, qui est venu dans ce pays, qui a sacrifié sa jeunesse. Qui l'avait envoyé pour sacrifier sa jeunesse? Est-ce que Kabila, en venant au Congo, savait qu'il était congolais? Est-ce qu'on peut parler pour ça par des Monsieur, calmez-vous. Vous parlez, on vous écoute dans vos blabla. Je reviens d'abord par rapport à un dossier, permettez, très important, parce que c'est toujours un dossier de la République. J'ai l'obligation de parler de ça. Allez-y. Ce n'est pas les assistants journalistes que vous avez qui vont m'en empêcher. Nous parlons ici d'un problème épineux qui concerne le magistrat. Vous devez savoir qu'il y a l'intersyndicat de la magistrature de notre pays qui ont fait une déclaration pour désapprouver la décision du ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, ce qu'on s'en en bas, vous n'avez pas, selon le prescrit du droit, vous n'avez pas le droit d'aller faire la libération conditionnelle sans qu'il y ait le prescrit sur le magistrat. Il y a quand même les états généraux qui s'étaient déjà tenus, où il y a le prescrit, où nous attendons que ça puisse être suivi à la lettre. Il y a des recommandations des états généraux de la magistrature, et si que le conseil de la magistrature, tout comme le conseil de co-constitutionnel, ou bien le haut conseil de la magistrature, qui s'est mis sur place pour dénoncer ce que, je peux dire, l'interférence, malencontreusement, du ministre de la Justice, qui est en train de chercher à mettre les gens sous liberté conditionnelle, alors qu'il y a des prescrits de la loi. Et si l'intersyndicat de la magistrature interpelle le chef de l'État, qui a déjà le prescrit, qui sont restés lettres mortes à leur dernière réunion qu'ils avaient eue, qui doivent être mises à la table, que de chercher un autre conseil de magistrature qui doit avoir lieu. Tout ça, c'est pour essayer de saigner la caisse de l'État. Donc, le haut conseil de la magistrature qui s'était déjà tenu, ils ont des résolutions. Il faut que prendre ces résolutions-là, les mettre en terme. C'est vrai, il y a des bons magistrats, il y a aussi des véreux. Il y a des bons journalistes, il y a des mauvais journalistes. Il y a des bons policiers, il y a aussi les mauvais. Il y a des bons médecins, il y a aussi les mauvais. Je reviens à la chose la plus importante. Quand vous voyez le réseau venir ici, essayez de parler à ce que le prescrit, les accords qu'ils avaient dû prendre à Luanda, où le chef de l'État avait refusé de parler avec un supplétif du Rwanda, qui était le M23, ou le M23 qui avait été associé ou bien qui avait dialogué avec le gouvernement passé sous l'égide Jean-Paul Kazamba, avec leur ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, où ils avaient même signé que la RDC devait réserver 43% de postes de commandement militaire à Seletini, Hutu et Rwandais, et Tutsi Rwandais. Ça, il n'a pas pris. Et notre armée aujourd'hui est en train de monter en puissance. Je lui dis ça, je vais te laisser que nous allons chuter. On termine, permettez. On a fini. L'armée est montée en puissance depuis l'avènement de Félix Antoine. Ça, c'est le conseil ou bien la déclaration de l'ancien ministre des Affaires et secrétaire d'État, Herman Cohen. Il n'a jamais vu un président civil organiser l'armée dans peu de temps. Alors que depuis 18 ans, nous avons une armée où Kabila nous a laissé le jeune armée dans l'armée, c'est 50 ans. Je parle bien de 50 ans. Aujourd'hui, avec tout ce que
la loi de progression militaire. Nous avons aujourd'hui de fonds alloués à l'État de plus de 1,7 milliard de dollars chaque année pour que l'armée puisse avoir tout ce qu'ils ont besoin, le matériel. Et nous demandons que cet argent puisse encore monter. Baba qui c'est là-bas, bon, parce que nous avons le militaire, nous avons l'armée, nous avons les policiers, ainsi de suite. Et nous demandons au chef de l'État de restaurer la gendarmerie comme Kabila l'avait tué. Alors, ce que nous devons retenir ici, il n'y aura pas de dialogue parce qu'il n'y a pas une crise persistante à l'interne. Deux, nous n'allons pas négocier. Avec ce qu'il y a comme frustration. Il n'y a pas de frustration, monsieur. Et les gens malhonnêtes, c'est ils sont en train de jeter un dévolu sur une femme qui est en train d'évaluer ses ministres. Je parle de Mme Souminon, ses ministres, bien que jusque-là, elle ne nous a pas encore reçus pour nous donner les lignes éditoriales que nous devons avoir pour sa communication. Très bien. Parce que nous communiquons pour la République, nous sommes les défenseurs de la République et nous voulons avoir les éléments de langage par rapport à ça. Et Laura, c'est 100 jours. Mais oui, alors, il a évalué tous les ministres. Quand le chef de l'État parle de prochain remaniement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas tous ces ministres-là. On va regarder ceux qui sont compétents, mais qui n'ont pas, soyez calme, merci. Soyez un peu courtois, merci ceux qui n'ont pas la capacité de suivre ce que le chef de l'État a pu parler. Donc, nous pensons que Mme Souminon est sur la bonne voie. Et s'ils prennent la dernière parole, je vais aussi la prendre. Moi je voudrais chuter pour dire... Non, je vais chuter aussi. Quand on devait de raconter des mensonges ici, okay. M. Kabila n'avait trouvé ni armée ni police. Il avait trouvé les deux spécialistes, monsieur. Il avait trouvé la gendarmerie. Mais c'est ce reconnaît que... On n'a pas de gendarmerie ici. Il avait laissé une armée... Il avait trouvé les deux spé. Donc, il avait trouvé... Mais c'est quand même... C'est quoi non, ça, mais écoutez, c'est quoi ça? Parce que vous mentez en public. Mais, il avait trouvé la garde... C'est quoi ça? La garde du civil. Nous ne sommes pas sous les bois, messieurs. Nous ne sommes pas sous les arbres. Laissez-moi terminer. C'est quoi? Il a honte. Je voulais dire ceci. Nous ne sommes pas dans la forêt de Héro, à Aéroport, monsieur. Parce que vous mentez en public. Qui n'armait? Docteur, s'il vous plaît. C'est Kabila qui a formé et restreint l'armée qui combat à l'armée. Même la police, faux. Il n'a pas trouvé. Faux. Mais je voudrais dire aussi une chose à M. Kankonde, qui peut-être il ne le sait pas. Bon, évidemment, nous sommes dans cette émission pédagogique. Il était dans les bois. L'église catholique est église, mais en même temps un État. Faux. Qu'on appelle les Saint-Siège, c'est un État-cité. Okay. Lorsqu'on parle de l'église catholique, quand M. Kankonde compare l'église catholique avec l'église de Moutombo, ça c'est quelqu'un qui, sur le plan du droit international, il n'a pas quelque chose. Monsieur, parle du droit congolais. Du droit international. L'église catholique, à part d'être église, c'est un État comme l'Angola. C'est pas ici chez nous. C'est un État, monsieur, cité, qu'on appelle des États-cités, qu'on appelle Vatican. Alors, les Saint-Siège, c'est là où l'église catholique habite. Daniel, raison pour laquelle quand vous voyez l'église catholique. Raison pour laquelle quand vous voyez l'église catholique, dans un, il est accompagné d'un chancelier ou d'un ambassadeur de Vatican. Donc, à part être église, c'est un État-cité. Très bien. Donc, comparer l'église catholique avec l'église Moutombo, quand Condé n'est pas informé des droits internationaux. On reste quoi dans 30 secondes, on a fini. Mais... Ils ont quel statut chez nous? Un État. Oui, oui. Donc, on doit toujours se référer à l'histoire. Et par rapport à l'actualité internationale aujourd'hui, il y a la population de Bangladesh. Par rapport au conflit qui est en train de ronger leur pays aujourd'hui, ils venaient de se rebattre sur leur prix Nobel de paix qu'on appelle Mohamed Younous. Et quand on revient en Afrique, vous allez voir qu'il y avait des conflits grandissants au Ghana. Ils ont fait recours à Kwame Nkrumah. En Afrique du Sud, quand le pays était divisé par l'apartheid, les Sud-Africains se sont rabattus sur Nelson Mandela. Et aujourd'hui, face aux conflits colossaux et problèmes que nous avons au pays, il y a lieu d'affirmer aujourd'hui que nous avons intérêt, peuple congolais aussi, de nous rapprocher des données de Denis Mukwege pour qu'il puisse nous aider à trouver solution aux problèmes que nous avons. Merci Jean-Paul, c'est que docteur... Je dois dire un dernier mot. Perdre à temps un homme fort et révolutionnaire qui viendra prendre le pouvoir par les armes, c'est que Kazamba, il a dit ici. Et il doit comprendre. C'est ce que Kazamba a dit ici. Parce qu'il attend un homme fort, parce qu'il pense que Mukwege... Ça, c'est toi qui me dis ça, c'est dans ta chaîne. Parce que vous savez que vous n'allez pas réussir. Voilà. Vous dites ça, c'est toi qui le dis. J'aurais bien voulu être... Ça sort de ta bouche. J'aurais bien voulu être dans les armes. Merci beaucoup. C'est dans ça sort de ta bouche. Ça, c'est pas moi qui le dis. Merci beaucoup. C'est t'engage que toi-même. Ça t'engage que toi-même. Attends d'attendre un homme fort. Attends d'attendre un homme fort. Mais c'est toi qui le dis. Mais il doit savoir que monsieur Ambongo, c'est un simple citoyen congolais, il n'est pas un représentant. Il représente les Saint-Sièges. Voilà. Dans 5 demain à la donc, c'est pas un congolais. C'est un CNF. Il est en même temps CNF.
au Saint-Siège. Okay. Okay.